Allez, c'est parti pour une petite caverne. Ouais, ça va nous faire plaisir. C'était longtemps. Ah, c'est celle qui est au bord de l'eau là-bas? Non, c'était dans la faille. Enfin, dans la faille, dans la petite vallée ici. Ouais, celle qui est à droite. Yep, il faudra juste faire gaffe aux Arthropleura, c'est le seul gros danger. Il n'y a pas de chauve-souris. Il y a peut-être des mégalosaures, mais bon, on est parti tôt le matin, donc on n'a pas de soucis à se faire. Ouais. Juste un petit peu plus loin là. Je dépose là. Merci. Donc là, assez loin. Bon, on va le laisser battre des ailes, c'est très bien. Si vous voulez du cristaux, il y en a ici. Du cristal. Cristal, oui. Non, il veut pas que je monte dessus. Oh. Je passe. Voilà, pose-toi. Tu veux pas te poser? Non, dans les cavernes, tu peux pas ici. Hein. Ah, ils veulent pas se poser? Bah, un petit peu avant. Moi, je me suis mis un petit peu avant. Ah, si, ça y est, il s'est posé, bien. On va démerdez-vous pour passer. Ouais, pas grave. Allez, on y va. On la rush. On aura le choix par la gauche ou par la droite. Moi, j'aime bien passer par la droite. Voilà. Ça nous permet de bien faire toute la caverne et de faire toutes les notes. Donc tu penches à droite toi? Je penche plutôt à droite. C'est ça. Bien, ça en apprend des choses. Oui voilà, c'est live très personnel. Comment on fait pour avoir l'heure et le jour sur Arc? T'appuies sur la touche H. Donc tu ouvres ton inventaire. Alors à partir de là ça spawn Arthropleura. Vous êtes prêts? Tout le monde en position? Bah, pour l'instant. Passe devant. Un en visu. Ouais mais attends que je vise. Essayez de pas vous tirer dessus. Ouais, parce que là, on prend des dégâts. Oh, pas mal. Ils arrivent. Je le vois plus. La tête a un coefficient. Yoni, arrête de bouger parce que tu vas t'en prendre une. Hein. Tu vas t'en prendre une, ouais. Vous me dites si quelqu'un le tue, hein. Pour le plus grand des hasards. J'ai l'impression que là, on n'arrive pas à le toucher en fait. Ouais. Juste les cailloux devant, bah, les gars, passez pas devant moi. Juste que si on n'avance pas, à mon avis. Ouais, c'est ça, il faut avancer. Putain, il prend la douille là. Oh là là, tout ce qu'il prend, il meurt pas. Bon, après, il y a plein d'araignées, hein, je vous le dis. Bon, il part, hein, l'Arthropleura. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tirerait peut-être avec des fléchettes? Ah, bah. Il fait genre le cul, Béro. Ça arrive. Bon, une araignée en moins. 125. Oh. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je prenne de Stimberries pour l'instant. Faites gaffe, l'Arthropleura pour venir à tout moment. Et il y en a un deuxième, un Arthro. H. Oh, ça y est. Je vais faire que ça. Il y a un amas d'Arthro de serpents. Quand je te dis un amas, c'est genre... Ah oui, d'accord. Ah oui. Bon. Bon bah, c'est parti, hein. Allez-y. Visez ce que vous pouvez. Faites-vous plaisir. Je m'occupe de l'araignée, c'est bon. Je dois faire la lance. Jessie qui dort. C'est le moment de dormir, Jessie. Bah, j'ai des coups, je peux rien. Hein. Ah. Tu te découpes au mauvais endroit. T'es en plein milieu de tout où il y a les trucs. Ouais, je viens de voir ça. Ah, bah, merde. Voilà. 125 quand même. Attends. Ah, je vais peut-être m'endormir moi. Zut. Eh ouais, je m'endors. Ah putain. Je te réveille. Moi je suis endormi derrière toi, Mitsu. Ah, fais chier. Oui, bah j'en ai pas pour tout le monde, hein, non plus. Ouais, non, mais j'aurais dû en prendre. J'aurais dû prendre des Stimberries. J'en ai. Il y a tout le monde qui dort dans la cave là. Tout le monde dort, tout est. Ah putain. Oh, tiens, allez, je te réveille toi. Ouais, c'est bon. Toi, t'es toujours torse nu, c'est fou ça. Mais. Ouais, il est cassé mon plastron. Bon, par contre, là, il va falloir arriver rapidement à l'eau parce qu'avec les Stimberries, ça veut dire. Bon, par contre, il y a toujours les Arthropleura. Alors, Je vois deux Arthropleura, celui qu'on avait tout à l'heure déjà en... Ah mais je refais dodo quoi, sérieux. Putain, trois Arthropleura limite. Là, il va falloir... Ah putain. Ouais, Béro. Oui. Non, Yoni. Ah, bon. J'ai plus grand chose. Hein. Oh. Je vais rip-hop sur les Arthropleura, laisse-moi deviner. Voilà. Cours. Cherche pas. C'est bon, il est mort. Ok, bon. Ouais, vous dites hein, quand vous le tuez, parce que nous on voit pas. Bon, bah les bottes sont cassées. Bah moi j'ai plus de torse, donc comme ça c'est cool. Attends, hein, parce que là j'ai des flèches, je peux récupérer des flèches. Je récupère des flèches. Il y en a là-bas près de la structure, et puis il y en a encore un par ici. On va devoir se dépêcher parce que là moi je crève le sang. Attends, je peux les... Je te cours. Demi-tour, Maurice, que je vois ta tête. Voilà. Oups. Et une dernière. Voilà, bien joué. Cool. On va se dépêcher un petit peu parce que là, moi j'ai vraiment soif. Prenez la note, ceux qui veulent. Ici. Oui. Ils me diront ce que c'est. Oh. Araignée. C'est bon. Je l'ai eu la note? Oui, je l'ai eu. Si vous suivez le couloir sur la droite. Il n'y a rien dans le couloir pour l'instant. Attends, faut que je mange. Moi, faut que je mange. Araignée. Il y a un truc ouais, dans les murs. Oups, merde. Oh putain. Olé. C'est bon. Vous dépêchez dans la queue, c'est bien. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein. T'as pris quoi, Mito? Ah putain, je vais encore m'endormir moi ou quoi? Attends. Tout va bien. Tout va bien, je vous dis tout va bien. Je crève de soif, mais tout va bien. En soi. Avec trois araignées, pas le seul. Avec trois araignées, t'as vu les levels, c'est tout. Il y a encore une caisse là-bas si jamais. On fait gaffe parce que là, il y a des serpents. Ouais. Écoutez, moi je les compte. Il y en a un qui arrive. C'est bon, c'est bon. Il y en a encore un. Pourquoi l'autre il vient sur moi? Il peut pas aller sur vous? Et t'aimes bien. Encore un. C'est bon là. On a compris, t'es pas beau. 125. Bon, moi je suis désolé, je saute dans l'eau, j'ai soif. Du venin, titane de bois, c'est nouveau ça. Tu sais que t'as dit qu'il y avait une caisse. Un peu plus loin, il faudra continuer là-bas. Bah, juste là. Ah, bah vous avez tout sauté là. Oui. Bah, oui, j'ai soif aussi. Là, y a une caisse juste oh putain merde! Je me suis endormi. Je suis au bord de l'eau. Ouais, parce qu'il y a des serpents. Oui. Ah, j'ai des Stimberries sur moi. Non, mais je reviens. Il y a encore des araignées. Ils sont en train de faire des trucs chelous. Oh, trompera! Vas-y, hein, je vais me réveiller, je pense. J'espère. Allez. Voilà. Ah, putain. C'est bon. Bon, Béro. Bon, je serais d'avis à ce qu'on se remette bien, là. On est quasi... y avait où un... Là, ici. La note de la péniche. C'était vraiment très intéressant. Il y a un beacon vert sous l'eau. Beacon vert sous l'eau? Avec plein de serpents. Oh non, non, je trouve ça va. Bon, en général, les serpents qui sont... Oh putain, il y a du piranha qui est là. Oui, il y a plein de piranhas. Attends, mais je vais encore m'endormir. Donc je me suis pris la dose de narco. Enfin, d'anti-narco. Oh, j'entends du bruit. Là, ouais, serpent. Aïe, putain, deux serpents! C'est bon là! C'est toujours moi qui me fais piquer! Aïe! Oh! Désolé, Jessie! Les gars, un gros coup de lance dans la gueule! Désolé! Il faut aller où là? Bon, bah je vais dormir. Ou pas. Non, c'est bon. Moi je reste 2 secondes au bord de l'eau parce que je fais deux. Ouais. Et puis y'en a qui vont se suicider sur moi. Ah oui, mais ouais. Et puis il y en a un morceau en plus. Il y en a plein. Ah, mais tu sais que j'ai encore la température qui augmente. Hein. Je les descends toutes les 2 secondes à 0, mais elle augmente chaque fois derrière. Ah, c'est bon là, ça y est. Je crois que je vais surveiller 2 secondes si ça vous fait rien. Mais. Ah putain. C'est bon là. Sans déconner. Bon, ça a l'air d'être bon. Par contre, la torpeur, pardon. La torpeur, c'est bon. Alors, on va attendre un petit peu. C'est quoi ça? Ah, skin squelette de Stego. Du pic. La torpeur est réglée. On y va? On y va. On est bon? Ouais. Ouais. Bah, allez. Alors, on aura un passage dans l'eau, on va juste après. Bah, ouais. Mais bon. Ça va. Ouais. Non, il y a des cas, il peut avoir un sarco. C'est le pire des cas. Il n'y a pas du tout de piranha dans l'eau. Non. Piranha, ça me rappelle quelque chose. Il y a une mètre là-haut. Caisse. Boîte. Attention. Attention, attention. Putain, mais c'est chaque fois moi qui me prends le truc. Oh, t'inquiète. Donc là, on est obligé de passer par l'eau, hein, je vous le dis. Obligé. Il n'y a pas de piranha. Il y a plein de piranha. Il n'y a pas de piranha. Oh putain, ça jaillit. Oh putain! Oh putain! Oh merde! C'est un sarco! Elle dit à la lance que le sarco il est pas fort. Il est faible. Non, y'a pas de piranha. Juste 40 quoi. Je te prends ton stuff là, Yoni. Ouais, t'inquiète, de toute façon j'ai mis un sec de couchage en fait. Ah cool. Tu vas fermer. C'est un peu sur l'intérieur. Bah, tu veux que je te laisse le sac ou. Bah écoute, je vais voir, ouais, si j'arrive à revenir. Si. Tu rushes, hein. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Putain, ça arrive, hein, ça arrive. Et faut qu'on passe par là? Avec les piranhas, c'est ça? Je vais être le côté droit. Ils arrivent, attention. On a plus beaucoup. Du coup, le sac de Sky, on en fait quoi? Sky? Je connais pas. Yoni, Sky, oh c'est bon. J'ai une très mauvaise nouvelle. Il n'y a pas le beacon. Va être dur à passer. Il y a 4 sarcos au fond de l'eau. Oh putain. Je suis rien ça. Donc. Mitsu? Ouais. Ouais, c'est merdeux. Moi j'ai une idée. Vous allez peut-être pas aimer mon idée, mais j'ai une idée. Je vous propose le premier de l'autre côté. Et c'est où l'autre côté? On en fait quoi? Non, j'arrive, t'inquiète. T'arrives? Ouais, je vais arriver, t'inquiète, je suis bientôt. C'est au milieu des tas de sacs. Allez, moi j'y vais. Comme ça, les sarcos vont se lever et ils vont venir sur vos gueules. Ou alors se moquer de mourir, je sais pas. Je suis derrière toi, Mitsu. Moi je suis là. Je m'en fous des piranhas, moi c'est les sarcos. Aïe, aïe. Les sarcos arrivent. Oui. Je sens que je vais mourir. Cours, Béro, cours. Bah, cours. Je suis au milieu de... Voilà. Il est level 60, tu vois. Bon, je suis passé. Moi, je suis pas passé. Bon, bah, voilà. Moi j'en ai 2 sur ma gueule, un en moins, c'est niveau 85. Par contre pour respawn... Bah moi j'ai respawn chez moi quoi. Ah mais j'ai plus, j'avais 1400 de coffres, j'ai plus. Bah non quand tu meurs t'as plus. C'est pas juste. Je suis extrêmement... désappointé. On va essayer de revenir plus par ici. Non, je suis à l'artefact, j'ai pas de mouvement. Ah putain, puis en plus, j'ai mon ptéro qui est là-bas. Il y a combien d'arthropleura là? Je préfère les serpents. Bon, on se reprend. Voilà, je viens. Bon, elle est bas les vols, mais c'est toujours ça. On va lui mettre un peu de viande. Alors, je vais tout de suite regarder. Argentavis niveau 20. Bon, bah, on commence bas level. Hein. Elle m'a mis un peu cher, mais c'est pas grave. Alors, on va regarder ça sur Dododex. On va voir un peu ce que ça donne. Argentavis. Tchouk. Niveau 20. Avec de la simple viande. Allez, allez, mon téléphone. Je regarde sur le téléphone. Je vais mettre qu'il va m'en falloir 8. Ok. Allez! Putain, mais j'ai ma connexion de téléphone qui merdit comme... Ok, 0 narcotique. 18 minutes. Ok, ça marche. Bon, bah là par contre, je pense que je peux la laisser là, parce que je vais pas... Putain, il y en a un autre là. Une femelle niveau 25. Je vais essayer de la tirer. Voilà, je vais la tirer un peu plus loin parce que j'ai pas envie qu'elle me bouffe l'Argentavis. Allez, viens. Oh, mais il y en a plein là. J'en cherchais, il y en a plein ici. Bon, c'est pas grave. Une fois qu'on en aura un, on pourra... Voilà, ok. Allez, c'est bon, il m'a laissé tomber. Du coup, je vais aller chercher la selle. L'autre, il va se tamer tout tranquillement tout seul. Il est là, enfin, elle est là. Bon, c'est super bas, mais voilà, c'est comme ça. À tout de suite. Bon, voilà, c'est bon, c'est fait. J'ai un Argentavis. Par contre, il va m'embêter un petit peu. Alors, j'ai pas regardé encore. Pour l'instant, je le ramène. Et à la maison, je regarderai un petit peu sa stam et tout ça. Alors, on va essayer d'être hyper prudent pour le ramener. Histoire de le ramener vivant. Je surveille sa stam comme le lait sur le feu. Comme le nourrisson sur sa table à danger. Allez, à tout de suite. Bon, on se reprend un petit peu. Donc là, je suis en train de voyager sur l'île, enfin vers l'île où se trouve Jessie, je crois. Parce que je cherche... Ensuite... Il faut que je m'en débarrasse avant. En fait, je cherche un Ptera un peu plus haut level, puis après ça, je me referai un Argentavis un peu plus haut level. En attendant, on entraîne l'Argentavis. Il est bas level, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, mais bon. Ah zut. Bon, on va regarder. Bon, t'es quel level toi? Ah. Il est où? C'est au-dessus de moi. Niveau 10. Ouais, parce que bon, le niveau 90 que j'ai fait, bah finalement, c'est pas si mal, parce que, quand je vous rappelle que le niveau maximum qu'on peut atteindre, c'est 150. Tiens, faut que je boive. Et voilà, donc 90 par rapport à 150, c'est pas mal. Parce que ceux que j'ai, voilà, le plus haut level que j'ai revu d'ici, enfin depuis, c'était aussi un niveau 90. J'ai pas vu au-dessus. L'objectif, c'est quand même de se faire un Ptera un peu plus haut level, on va dire. Alors, lui, il est combien? Donc voilà, donc je cherche un Ptera niveau 10, comme je disais. Hein. Voilà. Bon, donc, bah, écoutez, on se reprend dès que j'ai trouvé la perle rare, hein, tout de suite. Et une petite note. Ah, le Raptor. Bon, en même temps, hein, si on trouve des notes sur le passage, donc c'est pour ça que je fais... on va tout doucement. Je cherche... Je cherche aussi, mais ça j'y ramènerai, je verrai. En fait sur l'île, voilà, c'est l'île où il y a Jessie, c'est l'île des herbivores. Si je trouve aussi, j'aimerais bien faire un Doidicurus et un ankylosaure, voilà, je vais y arriver. Et un ankylosaure, oh, mais il a aussi un truc. Allez, c'est parti. On va monter les levels. Et là, c'est quoi? C'est une autre. Je sais pas quoi. C'est Miss Walker again. Ok, j'étais tellement content de revoir Miss Walker à nouveau. Alors, niveau pour. On va tout de suite voir ça. Et moi, je prends pas de level là. C'est quoi ce merdier? 4 levels. Donc là, j'ai dit que je le montais à 1000. Ouais, j'y suis bientôt. Je vais monter à 1000, puis après ça... J'ai un radeau ici, mais ça c'est le radeau. Ouais, on ne peut pas les utiliser. C'est le radeau de qui? De Monsieur Mitsu. Je crois que sa maison est dans le coin. Sa maison est dans le coin, si je me rappelle. Par là-bas, je ne sais plus exactement où. Dans le coin. Il faut que je surveille ma stam. Ouais, là-bas, c'est là-bas en fait. Sa maison là-bas, vous voyez les cascades. Bon, sa maison on la voit pas encore, mais elle est par là-bas. Allez, et nous, l'île qu'on veut atteindre est par là-bas, donc on va pas se laisser distraire. Si au passage on se retrouve une petite note, on la prendra. Eh ben tiens, elles sont dans des coins pas possibles. Celle-ci, je vois, j'avais jamais faite. C'est quoi comme note? Pourquoi ça n'a pas fait? Bon. Bah ben voilà. A tout de suite. Alors, j'arrive devant une maison. Ah, ça c'est celle de Yoni, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est celle de Yoni. Ok, il y a un petit radeau là ici. C'est sympa aussi. C'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'il a, monsieur Yoni? Il a des pteras. Ouais, pas hyper au level, donc il a dû prendre des pteras un petit peu. Ok, une petite maison, sympa, intricée. Bon, et c'est tout fermé, comme on a... voilà, on peut pas... Je ne peux pas rentrer, puisque on est dans des teams différentes. Et c'est tout fermé. Il a un petit parasol. Ok. Bah, comme ça, on va voir au fur et à mesure les maisons des personnes. Donc celle de Mitsu, vous la connaissez. Puisque vous suivez sa série de toute façon. D'abord, on a un petit truc. Ok, ok. Alors, on arrive en vue d'une autre construction. Alors, ça, je crois que c'est... Ah. Loeva. Ah, elle n'a pas créé de tribu encore, j'ai l'impression. Elle n'a pas encore créé de tribu. Parce que je ne vois rien. Cool. Alors, un petit... Bien, 170, impeccable. Un truc assez haut level. Impeccable. Voilà, j'ai quelques lags à cause de cette luminosité. Oui, d'où le machin. Il arrive ou il est loin encore? Bon, il est loin. Il est loin. Alors, on arrive en vue de l'île des carnivores. Enfin, des carnivores. Des herbivores, au contraire. Oh, tiens. Voilà, hop. Un petit coffre. Yenodon. Voilà, et c'est reparti. Et là, on a... Ouais. Ouais, non, c'est pas par hasard, c'est l'ankylosaure que je vois au niveau 25. Laisse tomber, je suis pas venu là pour prendre des niveaux comme ça. Donc, on est ici pour se faire des trucs au level. Alors là, j'ai quoi là? 115. 115, c'est pas mal, 115. 115, c'est pas mal. Je pense qu'on va peut-être bien se le faire. Bon, on va faire le tour. Donc là, il y a un 115. Hein? Là, il y a un 115. On va regarder si... Ouais. Alors là, on a un truc intéressant. Un stégosaure... Pardon. Niveau 120. Alors, j'ai déjà trouvé un truc niveau... Un Ptera niveau 115. Un stégosaure niveau 120. Ah, mais il y a tout ce qu'il faut, dis donc. Il y a même, il y a même du métal sur son île. Il est comme un coq en pâte. J'ai pas trouvé sa maison encore. Je ne sais pas où elle est. Je crois deviner, moi. Voilà. Il s'est mis là où je me serais mis. Parce que là, franchement, il risque... Bon, déjà, il est sur l'aile des herbivores, donc il risque rien, déjà. D'entrée de jeu. D'entrée de jeu, il risque rien. Ok. Il n'y avait pas une note quelque part? Non. Ok. Bon, bah, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc on a vu le Ptera là-bas. Bah, c'est celui-là, je crois. C'est celui qui est là. Celui qui est au-dessus de moi. Et au-dessus de moi. C'est celui-là, le 115. Si je ne m'abuse. Pose-toi. Yeah. Yeah. Ouais, c'est ça. Terra niveau... Ah non, c'est le 45 celui-là. Et où le 115? Il y avait un 115. Il est forcément quelque part. Allez. Allez, le voilà, le 115. C'est parti. Normalement, 2 coups, ça suffit. Voilà. Bon, ben, ça fait un peu plus que 2. Hein. Alors, maintenant, on va aller se chercher de la primite. Et je crois que j'ai le candidat tout trouvé. J'ai le candidat tout trouvé ici. Regardez. Petit Stego bas les vols qui est coincé. Hein? On va aller l'achever. Toujours choisir, voilà. Par contre, un creux supérieur. Ok. Alors vite ramener ça là-bas. Je sais pas combien j'en ai. Bah, 2. Putain, 2. J'aurais dû prendre ma pioche peut-être. On va mettre ça et on va mettre ça au cas où. Et on va tout de suite aller en chercher d'autres. Allez, laisse-moi tranquille. Ok. On va aller se faire un autre stégo. Ce coup-ci, je vais peut-être le faire. J'en ai pas vu un par là-bas sur dans les rochers. Non, c'était un ankylo. Ah, il y a la pluie, bien sûr. Je vais pas me faire un brontosaure, un truc, parce que c'est un peu... Voilà. Oh, un œuf. Allez, viens là, toi. Viens, viens. Je vais essayer de la faire remonter un peu. Merde, tu es... Essaye de remonter, bim, un petit coup. Par contre, ah, on a eu là. Lutte, t'arrêtes. Je sais qu'elle est montée. Heureusement que j'ai relevé la stam. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Allez, on va prendre la viande comme ça. Ouais, une crue supérieure. J'en ai un peu plus. Allez, au passage, on va se taper l'œuf. Tac. Allez, go. C'est parti. Je regarde sur Dododex. Elle est où là? Hop. Normalement, ouais, c'est bon. Je vais mettre quand même au cas où. Alors, on va se regarder ça. Théoriquement, hein, est-ce que j'ai pas pris de... Oh, j'espère que j'aurai pas besoin de remettre. Je suis en train de regarder. J'espère que j'aurai pas besoin de narco. Alors ça, par contre, je n'y ai pas pensé. On va s'approcher un peu. 37%, ouais, ça devrait le faire. Allez, Ptera, on va regarder ça tout de suite. Pteranodon niveau 115. Bon, ça commence à être assez intéressant, 115. C'est pas, voilà, c'est pas non plus monstrueux, mais là, vous avez vu par rapport à ce qu'il y avait. Alors, Primate. Il m'en faut théoriquement 6. Et j'ai pas besoin de rajouter de narco. Bon bah écoutez, on va essayer. On va leur faire confiance. On va leur faire confiance. J'ai dit qu'il en fallait 6. J'ai dit qu'il en fallait 6. Ouais, c'est bon. C'est bon. En attendant, on va virer tous les trucs inutiles de mon inventaire. C'est quoi ça? Celle de Fioma, j'en ai 40 000. C'est quoi ça? Oh là là, chez Pantal en tissu légendaire. Bref, je le garde pour le LOL, comme on dit. Et la bidoche, je vais la mettre dans l'Argentavis. Elle conservera mieux que sur moi. Je vais mettre ça aussi. Ça, on va le jeter. J'espère qu'ils ont raison, Dododex. J'aimerais bien voilà, ne pas avoir à remettre, de trucs. Là, ça descend vite quand même. Ça descend vite, je trouve. Ça mange tous les combien? Donc là, je suis à 20, je vais être à 50. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait être bon. Bon, en attendant, on va aller se chercher le petit engramme là-bas. Bon, eh ben voilà, déjà un Terra. Bon, il n'est pas encore tamé, hein, mais ici, il risque rien. Un Terra 115. Je n'ai pas regardé quel niveau de la liette. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, voici, super. J'ai un schéma... non, épique. Je vais dire mythique. Pas mythique, épique. Alors, tiens, lui, il est combien? Et lui, il est combien? Niveau 35. Tu plaisantes. Bon, niveau 35, c'est bien au début, mais après, une fois qu'on en a un... On cherche à faire des levels un peu plus haut, n'est-ce pas? Bon, bah les amis, c'est tout bon. Le voilà, notre Terra 171. Super, il va falloir l'équiper d'une selle. On verra ça à la maison. Comportement, on va tout de suite le mettre en passif. Voilà, et il me suit. Voilà, tu vas me suivre. Et on va le ramener à la maison.